السلام عليكم احبائي غبرت عليكم واحد شويه ولكن راكم عارفين عندي القناه الاخرى كيف ما كنقول لكم عالمي الخاص هي اللي كتاخذ مني الوقت اكثر دونك كيف ما كتشوفوا انا دايره لكم في البروغرام ديالي على لا تابليت لا ليبو كافيتاسيون دونك كيف ما شفتوا لا ليبو كافيت ديجا كنت لكم لا راديو فريكونس درت لكم لي بي ال اللي هو لا لوميير بولسي واليوم غنهضر لكم على لا ليبو كافيتاسيون

Séance. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que la l'hypocavitation Donc, c'est une technique de minceur inva non invasive, rapide et indolore. Utilisation d'ultrasons basse fréquence, pardon. Il y a les ondes et tout ça. Ça, ça marche avec des ondes. Ultrasons.

يعني yani الناس اللي كيتخوفوا من انهم يديروا عمليه ديال اللي هي كيشدوا كيديرو الشفط بالعربيه هي شفط الدهون يعني كيشد شي عند الطبيب كيدير لك الانستيزي كيدير لك عمليه كيشق لك البلاصه كيدخل تيو كي اسبيري داك لا ال سوس لا دو 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 لا C'est vraiment douloureux. Donc, ils ont dit que c'est un véritable alternatif à la liposuction. Et prend en moyenne, pardon, perdre en moyenne 4 centimes, soit une taille de pantalon en 3 séances sur la même zone

de chirurgie esthétique ou la chère médecin qui va me proposer cette option-là, la lipocavitation, sans que je remplisse le formulaire, il y un questionnement très, très, très délicat, très, très, très minutieux. Les quatre soules, les contre indications, pardon, les contre-indications des D'où l'intérêt, on va faire tout à tout prix. Mais,

Utilisation d'ultrasons basse fréquence, génération de bulles d'air à l'intérieur des cellules graisseuses, aide à éliminer les excédents de graisse et à lutter contre la cellulite, véritable alternative à la liposuction chirurgicale, perdre en moyenne 4 cm, soit une taille de pantalon en 3 séances seulement. Voilà une machine, l'une une des machines qui sert parce qu'il en a plein y en a beaucoup mais c'est l'une des machines et voilà le schéma qui, qui explique comment ça se pratique cette lipocavitation par étape voilà le derme, gilda, couches et tout on utilise la lipocavitation à homa les ondes ultrasons qui entrent kikoonouna hnaia excusez moi hna les bulles voilà اي فوالا نقصات لينا شوفو شحال نقصات لنا دلا كغيس بحال إلا كتبخر كتولي كتولي دوك الفراتت و ملي كدير أن بوتي تيفوغ فيزيك كيخرج داك العرق كيتفرتت كيخرج مع العراق مع بيبي مع مع كاكا سا ديبون أبخي حيت خاصك تشرب مزيان دير سبور مزيان بوغ إيدي أ يعني باش تعاون أن ديك لاكغيس تخرج من الداتا Voilà, c'est des bulles d'air microscopiques qui se composent, là qui se qu'est-ce qu'on on la lipocavitation la machine. Voilà. Et je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a là sur la partie verte. Donc l'émission d'ultrasons basse fréquence. Donc on a dans l'appareil, on l'a à la zone traiter. Ça génère des bulles d'air dans les cellules graisseuses. Accroissement et implosion des bulles d'air. Brisement des adipo euh, adipocytes pardon, libérant le graisse et l'eau. Métabolisation par la foie et élimination par voie urinaire.

les bras bien sûr les l'abdomen les poignets d'amour culotte de cheval l'intérieur des cuisses les genoux le ventre bien sûr l'abdomen c'est le ventre sans effort, sans douleur, sans effet secondaire et sans arrêt de travail. Sans arrêt de travail, ils veulent pas dire que, dire que tu n'as pas besoin d'être en congé pour effectuer ce traitement et tout ça. Il suffit d'avoir une petite pause de déjeuner ou quoi que ce soit. Ça dépend du nombre de séances ou bien du nombre de, 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 de zones à traiter. Sans effet secondaire.

مي امبوسيبل اننا نخدمو لها في البلاصه اللي فيها شي حاجه الحديد كانت عندك شي اباري الحديد في البلاصه اللي غنطريطيو فيها او كوك سوسوا ما بيان سور كان عندك شي كانت هي الله والده كتردعي حامله حتى هي نو أه كانت... كنتي حيت كاينين الناس بزاف كيجيو باش يطيحوا الكرش مور الولاده ما يفو فريمون اتوندر كو سا سيكاتريس لو مينيموم الا كنتي بعمليه سيزاريان il y a un minimum plus plus de 6 mois mais il faut voir avec un médecin parce que il y en a qui cicatrisent très vite et il y en a qui le qui le font pas donc parce que l'intérêt qu il y en a tous les médecins de dire là ou les médecins ou bien sûr mais qu'on se marre de certains ou marre de musmin ou chez marre de le cœur, y a c'est des contre-indications ou qui sont ou qui sont le risque de danger الشخص المعني الا تستعملوا مع هاد لاباري هادي او اباريات اخرين من الافضل ديما تسولو عندك مرض كتاكل باسكو يقدر هذيك لابارسل اللي كنتي معاها في الكابينه هنايا يعني على حساب هاد الالتراسون على حساب لانديبو كافيتاسيون ايماجين تنسا يعني الله يحسن العوان يكون الاخر النهار ولا تكون شغل البال ديالها ولا هادي ما تسولكش واش عندك شي مرض ما يفوتوش جو بونسي ا بوزي اون

les séances. Trois jours avant la séance, il est conseillé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour et poursuivre trois jours après le traitement. Bah, en général, il faut toujours bien boire, mais il faut bien insister sur ce point-là quand on parle d'appareils pour perdre du poids et tout ça, parce qu'on compte faire sortir la graisse traitée par l'urine. Et il faut bien boire et pour éviter de se déshydrater. Il est fortement conseillé de faire du sport entre les séances pour absorber les graisses déstockées. C'est normal. Tu te dis, je fais ça parce que je ne veux pas faire du sport. Non, c'est un minimum de marcher 30 minutes minimum avant et après chaque séance. Surtout, ce qui est intéressant, c'est l'ultrason, l'hypocavitation. Pour aider ton corps à évacuer très vite, il faut vraiment faire un petit peu du sport. C'est le moment ou jamais pour traiter cette graisse. Parce que des fois que j'ai des sportifs, que je suis sportif, je fais du sport, mais j'ai de la graisse dans cet endroit, dans, sur cette zone-là. Donc, quest Donc, quand je dis l'ultrason par exemple, ou la, la cryolipolis, la cryolipolyse, ou là, ou là, ou là, ou là ou faut dire que la période, tu dois vraiment être concentré, que ce soit sur euh, le, euh, de l'eau, la nutrition, le rida pardon, ou bien sûr un peu de sport. Et parce qu'on a parlé d'avant les séances, on va parler d'après les séances. S'exercer de façon continue, je viens de le dire. Suivre un régime équilibré et sain, je viens de le dire. Boire entre un litre et demi et deux litres d'eau par jour pendant trois jours après le traitement et bien sûr avant aussi. Un régime sans lipides ni glucides est nécessaire durant les trois jours qui suivent chaque séance. Excusez-moi par rapport à, à ce régime, vous le demandez à la, nutrition, pardon, à la nutritionniste qui va traiter votre cas. Mais les quatre la séance Est-ce que vous avez un régime à me proposer

euh, conseiller trois à quatre jours après drainage pour un résultat plus rapide. la chip de marge ou la bête On détaillera un petit peu. Et voilà, nous sommes arrivés aux contre-indications. Alors, de 1 les femmes enceintes ou allaitantes. Je viens de le dire. allez varis vous voyez, je l'ai oublié tout à l'heure de le dire, mais en lisant, bien sûr, je me suis rappelé. C'est pour ça qu'il faut évoquer chaque point. Même s'il vous paraît Aïdia euh, et tout Il faut vraiment tout évoquer à votre spécialiste Donc il y a Perte d'élasticité des artères C'est une maladie Il y a l'insuffisance hépatique et rénale Ça dit Mnoua, cirrhose hépatique Les personnes souffrant de lésions cutanées de la, euh, Et des maladies de peau Personnes porteuses d'un pacemaker Parce les, les ultrasons y dans le pacemaker Allah, Allah, Allah une prothèse ou du matériel métallique c'est ce que j'ai dit hum, lihsab, may, bish, personne souffrant de diabète de pathologie cardiovasculaire personne sous traitement anticoagulant c'est grave les phlébites, troubles cardiovasculaires, formation de caillots de sang dans les veines, Personnes atteintes de tumeurs ou suivies par une procédure, procédure chirurgicale, c'est ce que j'ai dit, personne atteinte d'un cancer, personne souffrant de processus inflammatoire grave, comme la tuberculose, VIH, néoplastique. Donc comme je vous ai dit, L'ultrason, l'hypocavitation, il pour perdre du poids. C'est une technique très avancée et ça utilise des ultrasons. Donc, comme les contre-indications. Et bien sûr, quand vous consultez votre spécialiste, il faut poser toutes les questions. Mais il faut poser les questions. Il faut écrire les questions même à la maison et ne pas hésiter à les poser parce que des fois, les questions, on se rend compte qu'il y a un problème ou qu'on ne peut pas bénéficier de ce traitement. Et à ce moment-là, on peut vous proposer un traitement adéquat à votre cas. Et bien sûr, il y en a plein. Il y a plusieurs appareils, il y a plusieurs méthodes. Donc, il suffit de demander à votre spécialiste pour vous trouver. Euh, la façon adéquate à votre corps et à votre métabolisme et à votre euh, vie. Euh, voilà. Merci pour votre. Voilà. Moutaiba'atikoum. Comment on va dire où il Oui, à la prochaine où je vais vous expliquer une autre méthode de minceur. Inch'Allah. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.